Bonjour, merci d'être là pour ces quelques instants consacrés à un livre. Pardon. Et le livre que je vous propose de regarder est encore un petit livre, vous voyez, qui est un philosophe qui s'appelle Jacques Ricot et qui s'intitule Du bon usage de la compassion et qui a été édité chez PUF. Jacques Ricot, c'est un philosophe contemporain. Voilà, il a écrit sur la philosophie et la fin de la vie, sur l'éthique du soin ultime, etc. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre en fait? Alors vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand vous baladez dans une librairie, vous feuilletez des livres. Puis il y a des phrases qui comme ça surgissent des pages, et puis qui vous enthousiasment. Et cet enthousiasme en fait déclenche l'achat, j'allais dire, du livre. Donc je ne sais pas si ça vous arrive ce genre d'expérience. Et ben, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé pour ce livre. Et j'ai tombé sur une phrase. Alors on va vite dans ces petits livres-là, donc les phrases on tombe vite dessus, si je puis dire. Mais je suis tombé sur une phrase et je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ce livre. C'est pour cette phrase-là, où Jacques Ricot, dans la conclusion, hein, c'est pratiquement c'est la dernière phrase. Dit ceci à propos de la compassion, elle est le moteur, l'émotion, l'ébranlement qui, éclairé par l'intelligence, nous maintient dans l'humanité. Elle est le moteur, l'émotion, l'ébranlement qui, éclairé par l'intelligence, nous maintient dans l'humanité. J'ai trouvé que c'était une phrase intéressante et j'ai voulu, alors vous voyez, comme c'était une phrase conclusive, je me suis dit, on va avoir la compréhension de ce qui est dit là, dans le corps du livre. Et donc, ce qui m'a évidemment intéressé, c'est le nous maintien dans l'humanité. Alors, que dit Jacques Ricot de la compassion? D'abord, qu'est-ce qu'on peut le définir? Vous savez, la compassion, c'est quelque chose qu'on peut sentir pour ceux qui la sentent ou qui la ressentent, et dont on ne trouve pas forcément les mots, le vocabulaire qui va avec. En tous les cas, c'est comme c'est un sentiment quelquefois diffus, quelquefois non conscient ou peu conscient. Le vocabulaire est difficile. Donc l'avantage de Jacques Ricot, c'est qu'il peut nous aider à définir un peu mieux, en tout cas être un peu plus précis quand il s'agit de compassion. Et il dit que c'est un sentiment qu'on éprouve devant le malheur d'autrui. Donc si nous sommes doués de compassion, c'est que nous sommes capables d'éprouver un sentiment devant le malheur d'autrui. Ce qui pose une vraie question, est-ce que nous sommes capables d'éprouver des sentiments devant le malheur d'autrui? Voilà, je la pose. Et ceci pour moi et tout le monde. Alors, Jacques Ricot dit qu'il y a des termes qui approchent ça, en tous les cas, qui ne sont pas les mêmes quand même, qui ne définissent pas la même chose. Hein, la sympathie, la sollicitude, la pitié, la charité, la commisération, l'altruisme. L'humanisme, la philanthropie, etc. Tous ces mots-là approchent, mais ce n'est pas ce que Jacques Ricot appelle une émotion finalement qui est motrice, qui nous invite à quelque chose, puisque une émotion nous met en mouvement. Alors, qu'est-ce qui déclenche la compassion pour ceux qui en sont celles et ceux qui sont capables de compassion? Eh bien, c'est ce dont pâtit autrui, en fait. Et donc la compassion, c'est pâtir avec, mais pas de la même souffrance. S'il y a une souffrance qui m'affecte, si la souffrance de l'autre m'affecte, ce n'est pas sa souffrance que je vis, c'est la mienne d'être affectée. Et pourquoi on est affecté finalement par cette souffrance de l'autre, ou par cette douleur de l'autre? Parce qu'on l'a vécu un jour, pas la même, pas dans les mêmes circonstances. Pas forcément des mêmes intensités, pas même avec les mêmes causes. Nous n'avons pas réagi de la même façon, mais cette douleur, nous savons ce que c'est. Nous sommes capables de la comprendre. Nous sommes capables de savoir quel déchirement elle peut provoquer. Nous sommes capables de savoir quelle puissance d'anéantissement que certaines douleurs ont. Et c'est parce que nous sommes capables de savoir ça que nous sommes capables de comprendre et donc que cette souffrance ou que cette douleur de l'autre m'affecte. Et donc, sans que ce soit ma douleur.
Alors, pourquoi cette souffrance m'atteint-elle dans le fond? J'ai tenté d'y répondre avec l'aide de Jacques Ricot en disant parce que nous avons subi des choses équivalentes, encore une fois, même si elles sont parfois différentes, très différentes, elles sont équivalentes parce que c'est de la douleur. Et peut-être ce qui nous atteint le plus, en fait, dans la souffrance de l'autre, c'est que nous mettons ensemble quelque chose, j'allais dire, sur la table de nos vies, qui est notre vulnérabilité. Ce que je reconnais chez l'autre quand il a une douleur, c'est ma propre vulnérabilité. Ce qu'il m'expose, ou ce qu'il me donne à voir, ou à sentir, c'est ma propre vulnérabilité. Et il serait absolument impossible de ne pas sentir ou ressentir chez l'autre souffrant ce qui est d'universel dans l'humanité, ce qui est similaire à tous les humains, ce qui est semblable, la vulnérabilité. C'est un facteur de similitude en fait entre les individus. Et si je ne peux pas ressentir ça, alors ma question, si c'est moi qui ne peux pas ressentir ça, je suis toujours dans l'humanité. En tous les cas, le fait peut-être de ne plus être sensible, pour quelque raison que ce soit, à la douleur de l'autre, à la souffrance de l'autre, de ne plus en être affecté, de ne plus en éprouver une émotion de compassion. La question que je me pose, c'est me suis-je retiré de l'humanité? Suis-je encore humain? En tous les cas, dans l'humanité. Sûrement humain, mais dans l'humanité. Et je crois que c'est la question qui est posée par Jacques Ricot. Ce qui rassemble finalement tous les êtres humains, c'est sa vulnérabilité et celle de l'autre. Ce qui nous fait dialoguer, ce qui fait humanité, ce qui fait semblable, c'est notre vulnérabilité. Et que l'émotion est l'expression de reconnaissance de ce qui nous unit, les uns les autres, les uns aux autres. Que nous soyons l'un pour l'autre proches ou étrangers, ce qui nous réunit les uns les autres et les uns aux autres, c'est notre vulnérabilité. Alors, Jacques Ricot disait que c'est une émotion met en action. Eh bien, si nous avons une émotion et si nous ressentons l'émotion de la compassion, elle nous met en action. Pourquoi? Eh bien, pour soulager cette douleur, tant que c'est possible, comme c'est possible, si c'est possible. Et je voudrais que nous nous interrogions tous aujourd'hui, dans ce monde contemporain dans lequel nous sommes. Difficile de ne pas être dans un monde contemporain, je vous l'accorde. Et de nous dire, sommes-nous encore capables de compassion? Je veux dire par là, quand nous rencontrons une souffrance, nous met-elle en mouvement, ressentons-nous une compassion, c'est-à-dire quelque chose, une émotion qui nous met en mouvement pour soulager cette souffrance? Je pose une question qui nous s'adresse à tous, je crois. Dans ma vie de tous les jours, dans mes déplacements quotidiens, dans mes rencontres, qu'elles soient éphémères, moins éphémères, dans mes relations, qu'elles soient proches ou lointaines, est-ce que je suis encore capable de compassion? Parce que si je suis capable de compassion, la vue de la souffrance de l'autre m'invitera au soulagement. Voilà, je crois que c'est dans du bon usage de la compassion, je crois que c'est la question que nous pose Jacques Ricot, et il me semble que c'est une question lourde, peu et épaisse. Redevenons légers, si vous voulez bien, parce qu'il va falloir que je me lève après ça. Donc, redevenons légers. Voilà, je vous laisse à cette réflexion. On se retrouve probablement pour une prochaine fois, probablement pour un prochain livre. À bientôt. Au revoir.